Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une nouvelle vidéo sur une destination qui se situe dans la partie est de la mer Méditerranée, non loin de la Syrie et de la Turquie. Je vais vous parler du surf sur l'île de Chypre. L'île de Chypre est donc associée à la mythologie gréco-romaine, mais aussi à la modernité. Cette île se situe dans la partie est de la mer Méditerranée, donc tout près de la Turquie et de la Syrie. C'est une île d'environ 9500 km², c'est-à-dire la taille de la Jamaïque ou du Liban, pour un petit peu moins de 900 000 habitants. L'île est coupée en deux parties. La partie nord appartient à la Turquie et la partie sud est un membre de l'Union européenne, c'est la République de Chypre. La capitale est Nicosie, coupée en deux parties par un mur, comme à l'époque du mur de Berlin. On dit que la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, est née sur l'île de Chypre. Alors c'est plutôt l'amour des vagues qui va attirer les surfeurs sur cette île. Et c'est justement début 2008 qu'avec l'explorateur Anthony Colas et le surfeur de Anglette Xavier Leroy, nous lançons une expédition à la recherche de nouveaux spots de surf. La partie est de la Méditerranée n'est pas forcément la plus active, mais c'est celle qui propose le meilleur fetch, c'est-à-dire la distance sur laquelle peut souffler le vent pour produire une houle assez puissante, voire même une des plus intéressantes de toute la mer Méditerranée. Avec une fenêtre météo très favorable, nous partons explorer et nous découvrons rapidement une multitude de beach breaks avec des vagues plutôt puissantes et pêchues. Le surfeur Xavier Leroy s'exprime de manière instinctive avec des carves très puissantes, toujours beaucoup de style. Nous avons la chance d'enchaîner sur 5 jours de houle, ce qui est quand même plutôt rare pour cette partie de la mer Méditerranée. Et là, nous pouvons explorer et découvrir un maximum de spots avec beaucoup de diversité, à la fois des vagues de sable, donc des beach breaks, mais aussi des vagues de roches, des reef breaks, des slabs, et même des point breaks qui déferlent sur des fonds de galets, en gauche, en droite, sur une assez bonne longueur. Donc vraiment une très belle variété de spots de surf. Et nous sommes encore plus étonnés de savoir qu'à 1 heure de route de la côte, il est possible de pratiquer le ski ou le snowboard. En effet, à presque 2000 mètres d'altitude, il y a une station à Troudos. Nous nous lançons donc dans une session de snowboard. Avec l'arrivée d'une petite houle, nous partons à la recherche d'une dernière session sur la partie sud de l'île. Et c'est au pied de grandes falaises et d'une large baie que nous découvrons une jolie droite qui déferle très proprement au pied de plusieurs rochers. Et un de ces rochers est particulièrement spécial, on l'appelle le rocher d'Aphrodite. La légende raconte que c'est à cet endroit, dans les embruns, dans les vagues de la Méditerranée, qu'est née la déesse de l'amour. Nous partageons la session avec Anthony Colas et Xavier Leroy, une session donc très spéciale, je dirais même légendaire. Voilà, c'était pour Chypre, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur un atoll en plein cœur de l'océan Indien. À très bientôt.